Est-ce que tu peux trouver le point commun entre cette haie, cette robe et enfin ce lieu? Eh bien, les trois sont des œuvres d'art contemporaines co-créées avec des citoyens, des naturalistes ou encore des biologistes. Alors oui, ça peut paraître étrange, mais Fiona Delahaye, du laboratoire CERES, a étudié ces démarches et interactions pour nous expliquer quel était leur rôle. L'idée, c'est que ces œuvres naturelles soient développées en co-création entre les artistes et les citoyens, ce qui leur permet de mieux connaître leur environnement et de se le réapproprier. Construire une œuvre naturelle, c'est aussi une manière de se questionner sur le monde qui nous entoure et de porter un message par le processus de création lui-même. Y apporter une dimension éphémère et les exposer en dehors des lieux d'exposition classiques, tout ça permet alors de les rendre accessibles à tous tout en véhiculant des messages d'harmonie avec le vivant. En participant, ces citoyens vont découvrir le cycle de vie des œuvres. Il ne s'agit donc pas de figer le vivant, mais plutôt de s'ajuster à toute sa créativité.